Coucou, mes étoiles connectez vous connectez vous live sérieux j'ai pas lancé le live mes étoiles aux deux endroits je suis que sur facebook je vais partir sur tiktok après voilà parce que ça me dérange de regarder les deux comme ça il me faut acheter un support euh... mmh. attendez mes étoiles je fais le partage euh, le village brille Ma page, euh, coucou, Matt, le village brille, mon étoile, les cœurs, mes étoiles. Attendez, je vais... Merci pour les cœurs, mes étoiles, merci beaucoup. C'est gentil. Voilà. Mélanie, go. coucou, le village brille, mon étoile, mes étoiles d'amour, le live est très, très important. Voilà, donc vous savez qu'il faut partager, libérer beaucoup de cœurs. Chacun partage dans au moins dix euh, groupes. Voilà, donc mes étoiles qui me soutiennent ici là et les sympathisants qui soutiennent la page. Donc vous libérez les cœurs, vous protégez le live. Voilà, mes étoiles. On ne va pas rester longtemps dans le live parce que j'ai un live sur un, un live très très important aussi sur TikTok. Euh, C'est après, euh, enfin en fin de journée. Voilà, donc on va parler vite fait. On va parler vite fait. Le village brille, mes étoiles. Là, c'est un live sérieux. Bien que la page soit restreinte, je tenais à faire ce live aussi sur Facebook. Nous sommes tous des Camerounais. Nous connaissons les réalités de notre pays. Tout bon Camerounais adhère au changement. Vous êtes conscients de ça, mes étoiles. Mais ce n'est pas parce qu'on veut le changement qu'on doit accepter qu'on nous impose la pensée unique. Qu'on doit accepter qu'on nous impose la pensée unique. Baron Abe Solon. Je suis en train de parler. Si tu es pressé, tu te déconnectes, tu vas revenir voir le live. Tu vois un peu. C'est mal poli de dire parle alors alors que je viens de me connecter. D'accord C'est très mal poli. Quand tu te connectes, tu ne commences pas tout de suite à parler. OK Voilà. Tu dois d'abord demander à tes abonnés de partager et tu dois leur permettre de se préparer aussi à écouter le live. C'est très facile d'apprendre à quelqu'un à faire son travail quand ce n'est pas toi qui es derrière la caméra. Voilà. Je disais tantôt Coucou mes étoiles, le village brille, les cœurs pour protéger le live. Nous voulons tous le changement. Ok, il n'y a pas de problème, mon étoile, c'est bon. Justine, le village brille. Nous voulons tous le changement, en tout cas tout bon Camerounais, conscient. On n'a pas besoin d'appartenir à un bord politique pour vouloir le changement. Il suffit juste d'aimer son pays et d'être conscient qu'il faut que les choses changent. Mais ce n'est pas parce que nous sommes à la quête du changement qu'on va nous imposer l'idéologie unique. Tout bon Camerounais a son intelligence. Quand les choses vont mal, chaque Camerounais sait ce qu'il doit faire. En tout cas, le Camerounais qui est conscient et qui a reçu une bonne éducation. Je suis détestée sur la toile par un groupuscule de, de personnes qui n'aiment pas ma dénonciation parce qu'ils trouvent que je verse du sable dans leur combat, que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit les opposants. Et moi, je n'en ai rien à foutre parce que je suis un électron libre. Et je suis pour le bas peuple. Je parlerai toujours en leur faveur. Moi, je n'ai pas des intérêts politiques. Je n'ai aucun bord. Quand il y a le faux sur ma page, c'est le travail que je suis venu faire sur ma page. Quand il y a le faux et que je détecte ça, j'éveille les consciences des personnes qui me suivent, des personnes qui m'apprécient. Je n'ai pas besoin de dire à ces personnes ce qu'ils veulent entendre, mais ce que je trouve logique dans ma petite intelligence, qu'ils doivent entendre. L'artiste Longuet Longuet est venu avec sa vidéo sur les raisons. De prime abord, nous avons compati, y compris moi. J'ai mis un poste de mes étoiles. Parce que je me disais, il est en pleurs, ça ne va pas. Les émotions ont pris le dessus. Jusqu'à ce que je reçoive des vidéos. Et plein de choses. Et jusqu'à ce que moi-même j'aille re-regarder la vidéo. Ma pensée a changé. Parce que sur le coup, c'était la mère qui voyait un être humain pleurer. Et j'ai commencé à empathie. Après que j'ai mené mes investigations et que j'ai reçu certaines informations, j'ai compris que ces informations-là ne sont pas erronées. Seulement, beaucoup de personnes savent que ce que je vais dire est vrai. Mais comme il y a des clans pour des intérêts politiques, pour des intérêts personnels, ils viendront récupérer ma vidéo pour vous dire l'étoile tribienne a été payée par tel, par tel, par tel, ne l'écoutez pas, comme ils font toujours pour discréditer tous ceux qui ne pensent pas comme eux. L'artiste Longué Longué est un artiste qui a apporté énormément dans la culture camerounaise. C'est factuel. Mais la personne de l'artiste Qu'a-t-elle apporté concrètement comme changement au Cameroun La personne de l'artiste. Ce que vous ne savez pas, il y a quelques années, l'artiste est venu s'installer en Europe. J'assume mes dits. Il faut savoir que l'artiste peut me porter plainte en Europe et gagner. Comme il peut aussi perdre. Il n'est pas au Cameroun ici. Quand cet artiste est venu à l'étranger, quand cet artiste est arrivé à l'étranger, il a fait des sales choses à l'étranger, ici en France. Écoutez bien, libérez les cœurs, mes étoiles pour protéger le live. N'acceptez jamais que les gens vous disent ce que vous voulez entendre. Parce qu'ils ont peur de vous perdre, parce qu'ils ont peur de ne pas être aimés. Préférez des personnes qui disent ce qui est dans leur ventre, pas ce qui est censé plaire à vos oreilles. Sinon, vous serez toujours manipulés, amadoués. On va vous traiter comme des marionnettes, parce que vous voulez qu'on vous dise ce que vous attendez. Je préfère qu'on dise que l'étoile cribienne est hypocrite, qu'elle est manipulatrice. Qu'elle est payée par Pierre-Paul Jacques, mais j'ai ma conscience tranquille. Les cœurs, mes étoiles, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Posez-vous toujours la question de savoir pourquoi, quand l'étoile tribienne commence à entrer dans le vif du sujet, il y a des démons sur sa page. C'est parce que ce qu'elle dit n'est pas anodin. Ce n'est pas n'importe qui qui fait peur quand il veut prendre la parole, mais c'est qui peut. Je ne gère pas mes étoiles. Libérez beaucoup de cœur. Vous prenez le temps d'écouter. Quand cet artiste est arrivé en Europe, il a commis des frasques. J'ai dit ça sur TikTok. Je reviens le dire sur ma page pour assumer. Il a V-I-O-L, une mineure. La France n'est pas notre pays. La France est un pays droit. Quand les autorités françaises te condamnent, ce n'est jamais anodin, ce n'est pas pour un règlement de compte, ce n'est pas parce qu'on les a payés, ce n'est pas à cause du trafic d'influence, c'est parce que dans les accusations, il y a eu des investigations et on a jugé après enquête que la, le, le, le coupable, enfin du moins l'accusé, est coupable. La justice française a condamné l'artiste à dix années d'emprisonnement. L'artiste que vous voyez là, dix années d'emprisonnement pour viol sur mineur. Quand je vois les gens dire que l'étoile cribienne est une petite main de la dictature. Le jour où je quitterai cette terre, j'irai avec fierté, sous terre, parce que personne ne m'a jamais payé pour parler de quoi que ce soit, pour aimer mon pays ou pour critiquer. Contrairement à vous, je dors en paix. Cet artiste a été condamné pour dix années de prison. Vous savez... Qui est-ce qui a fait la demande pour que l'artiste ne fasse pas la prison ici en France Il n'a fait que deux ans de prison, je pense, si je ne me trompe pas, à cet endroit sur le nombre de mois qu'il a fait en prison. C'est le gouvernement camerounais, en l'occurrence ici, le RDPC. C'est le gouvernement camerounais. Qui a fait la demande? Les, les cœurs pour toi? Le grand frère VP du continent 2025? Je t'adore. Mes étoiles, abonnez-vous massivement sur la page du grand frère VP du continent 2025. Même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec lui, vous ne pouvez pas toujours avoir la même idéologie. Respectez souvent la divergence d'opinion. Abonnez-vous sur sa page. Ce n'est pas quelqu'un qui pratique le suivisme moutonnier. Il va parfois vous énerver, mais c'est sa liberté de penser. Respectons-la, tant qu'il ne vous insulte pas. Faites-le parce que vous êtes des Camerounais conscients que vous n'êtes pas pareils. Abonnez-vous sur la page du Grand Frère VP du continent 2025. Coucou Philomène, je t'embrasse. Justine, le village brille mon étoile, mes étoiles d'amour les cœurs. Vous savez que si je passe sur TikTok avec ce dossier, on sera tout de suite là-bas à trois mille personnes. Mais je fais exprès de venir ici parce que je sais qu'il y a ceux qui n'ont pas TikTok et je veux que la vidéo reste parce que sur TikTok vous coupez les petits bouts et vous n'avez pas tout. Je disais tantôt... Est-ce que vous avez partagé le live mes étoiles? La page est restreinte. Partagez massivement le live s'il vous plaît. Merci Christelle. Je disais tantôt que... Lorsque l'artiste a été condamné à dix années d'emprisonnement pour, pour un VIOL sur mineur, c'est le gouvernement camerounais qui a demandé à ce qu'il soit extradé au Cameroun pour aller purger sa peine d'emprisonnement. On va descendre un peu. Lorsqu'un gouvernement demande à ce qu'un condamné soit extradé dans son pays, ça veut dire qu'il veut qu'on renvoie le condamné dans son pays. Et quand on dit que c'est pour aller purger sa peine, ça veut dire que ce gouvernement doit respecter sa parole, prendre le condamné et le foutre dans une prison quand il arrive au Cameroun. Pour être extradé au Cameroun, le gouvernement camerounais a déboursé la somme de trente-neuf mille euros au gouvernement français. Je vous laisse calculer combien 39 000 euros font en France, CFA et combien, euh, combien d'écoles ou bien ce que ça aurait pu régler dans les familles pauvres au Cameroun. C'est-à-dire qu'un artiste a commis des frasques dans un pays. On vous fait comprendre que l'artiste à utiliser le clé parti intime d'un enfant mineur sans son consentement. Cet artiste est censé faire la prison. Il ne fait pas la prison. Il rentre au Cameroun dans les poches du contribuable camerounais. Quand il arrive au Cameroun, il ne fait pas la prison. Écoutez bien, il est libre comme le vent. C'est l'artiste en question, hein que vous êtes en train de défendre. Attendez, hein? Il est libre comme le vent. Cet artiste déroulait le tapis au gouvernement. Il déroulait le tapis au RDPC. Après que le gouvernement ait joué sa partition dans sa libération, intervient maintenant Samuel Eto. O. Lorsque Longuet Longuet a traversé ses problèmes, Samuel Eto qui a le cœur sur la main, a déboursé une somme de plus de 17 mille euros pour donner à l'artiste Longuet Longuet. Écoutez bien, sans compter les artistes, les stars que nous, on ne connaît pas. On ne parlera que de ceux où si on nous met dans un tribunal, on peut dire que oui, voilà la vidéo, voilà ce que l'artiste a dit. Il était au Cameroun. On n'a pas compris pourquoi un matin il s'est levé, il a commencé à insulter Samuel Eto qui lui a donné de l'argent. On n'a pas compris pourquoi un matin il s'est levé, il s'est retourné contre le gouvernement qui est son ami. On n'a pas compris. Maintenant. On nous sort les vidéos de l'artiste Longue Longue qui a parlé contre le gouvernement en faveur du MRC. Parce que moi, j'aime appeler les noms. Le leader politique du MRC, c'est le professeur Maurice Camto. On voit Longue Longue en train de dire que le professeur Maurice Camto, en 2018, a battu le président de la République aux élections et qu'on a truqué les élections. Ça, ce sont les vidéos qu'on nous sort aujourd'hui. Ce qui peut être vrai, comme ça ne peut pas être vrai, ça, ça ne me regarde pas. Parce que je ne saurais discerner le vrai du faux de tout ça. Je ne suis pas, on ne m'a pas mandaté pour aller voir si y a fraude électorale au Cameroun. Je ne suis pas au courant de ça. Toujours est-il qu'il est libre de le dire. C'est la démocratie aussi. On nous a sorti cette vidéo-là à quel moment On nous sort cette vidéo au moment où l'artiste Longuet Longuet arrive en France et il annonce que il a une vidéo où on l'a torturé au Cameroun. Je veux vous ouvrir les yeux sur certains points. Je veux que vous n'acceptez pas, que vous n'acceptiez pas changer le Cameroun avec une personne qui ne tient pas la route, une personne qui est prête à tout pour l'argent. Cet artiste là. Qu'est-ce que le gars fait? Il arrive à l'étranger, il vous annonce qu'il a une vidéo cruciale. Il va vous montrer comment le gouvernement avec qui il a pactisé hier est un gouvernement de sanguinaires, de tortionnaires. Il dit qu'il va vous montrer les vidéos parce qu'il sait qu'en annonçant ça, ça va faire le boum ça va bouger sur la toile. Et comme nous sommes des personnes très émotives, on ne va pas réfléchir s'il si a raison ou pas. Et c'est ce qui s'est passé. C'est aller dans tous les sens. Et ça va toujours dans tous les sens. Donc, quand cette vidéo sort, on nous montre donc les vidéos où il défend le professeur Maurice Camteau. Vous savez pourquoi? Parce que pour soutenir ses accusations, il a besoin d'un nouveau soutien. Hier, il dînait sur la table du RDPC. Aujourd'hui, il veut dîner sur la table du MRC. Et après-demain, il voudra dîner sur la table du peuple. Est-ce que vous entendez? Les cœurs, mes étoiles, partagez le live, s'il vous plaît. Hier, il dînait sur la table du RDPC. Aujourd'hui, il dîne sur la table du MRC. Demain, il voudra dîner sur la table du peuple. Vous faites confiance à une personne comme celle-là, qui n'a aucune conviction. Elle est partout. Partout où il y a ses intérêts. Dans la vidéo, dans la vidéo, j'ai regardé cette vidéo et écouté. Je me suis rendu compte que l'artiste appelle beaucoup les noms, comme pour nous faire passer un message, sachant que la vidéo-là va peut-être sortir un jour. Ça, je tiens à préciser que ce sont des analyses que je ne peux pas forcément euh, euh, dire qu'elles sont totalement exactes, et c'est mon analyse. C'est ce que je pense. C'est mon cerveau qui a réfléchi. L'artiste va mentionner les noms en insistant sur ces noms-là. Et puis il va répéter plusieurs fois, Mama Chantal Bia, le président de la République. Et dans la même vidéo, il va dire, il demande à un, un de ses agresseurs présumés, dans, dans votre vie, vous avez toujours eu dix partout. En général, lorsque quelqu'un est torturé, ses cris, c'est pardon, pitié, pardon, il n'a même pas trop le temps de savoir pour qui il a chanté, pour qui il a parlé, pour qui il a... Il n'a pas le temps, il a juste le temps de dire pardon, laissez-moi, aïe. Mais dans la vidéo de l'artiste, hein, dans la vidéo de l'artiste, j'ai l'impression qu'il a fini d'écrire un discours qu'il va répéter pendant qu'il vit ce qu'il vit. Et on est tombé dedans. Pourquoi Je me pose une question. Quelqu'un qui a été torturé par des personnes aussi barbares. Quelqu'un qui a été torturé par des personnes aussi barbares. Des personnes qui auraient pu, selon ce que lui-même il dit dans la vidéo, je veux voir mes enfants grandir, ça veut dire que il sait qu'à l'instant où on est en train de le torturer, on peut en finir avec sa vie. Donc forcément s'il s'en sort de cet acte barbare qu'il est en train de subir, il n'aura plus jamais envie de rencontrer ces gens-là. Alors je me pose une question. Quand tu t'es échappé des griffes de tes oppresseurs, est-ce que tu es capable, peu importe la somme, de retourner dans la gueule du loup Quand tu t'es échappé des griffes du loup, est-ce que tu es capable de retourner dans la gueule du loup Les cœurs, mes étoiles. C'est la question que je me pose. Nous voyons votre artiste, parce que ce n'est plus mon artiste. J'ai toujours dit que je suis allergique aux personnes égocentriques, aux personnes qui sont capables de déstabiliser le pays pour leurs intérêts financiers ou politiques. On peut déstabiliser un pays. Pour l'intérêt collectif, le changement est un intérêt, est un intérêt collectif. La volonté de vouloir révolutionner les choses dans un pays est un intérêt collectif. Oui, lorsque tu veux faire changer les choses positivement, c'est un intérêt collectif. Mais si tu veux faire changer les choses pour tes intérêts politiques personnels, c'est un intérêt égocentrique. Lorsque tu veux faire changer les choses pour tes intérêts à toi, c'est un intérêt personnel. J'aimerais poser la question à l'artiste Lungé-Lungé. Comment se fait-il que, après qu'il ait été violenté, brutalisé, agressé par ses oppresseurs, en 2019, selon ses dires, nous n'avons pas la possibilité de confirmer la date de sa vidéo. Mais je te passe un petit message, l'artiste. Lorsque les enquêtes seront officiellement ouvertes, surtout ici en France, il faut que tu saches que les informaticiens vont détecter l'année de cette vidéo. Parce qu'ils ont des logiciels très puissants pour détecter le jour où une vidéo a été prise. Et là, si ta vidéo ne date pas de 2019, rien que déjà là, ils vont s'arrêter au niveau des enquêtes. Parce qu'il y aura déjà mensonge quelque part. Je dis bien si. Condition sine qua non. Je repose la question à l'artiste. Les cœurs, s'il vous plaît, mes étoiles. Comment se fait-il que des personnes qui ont été aussi brutales avec toi, des personnes qui t'ont mis plus bas que terre, qui t'ont mis plus bas que terre, comment se fait-il que ils t'ont agressé en 2019, tu es traumatisé tu en as souffert, tu les détestes. En 2023, tu vas prester pour eux en privé. Ils t'ont tapé pour aller prester pour eux. Ils t'ont violenté pour aller prester pour eux. Et comment se fait-il que l'une de ces personnes-là qui a un restaurant à Paris, tu fais la promotion de son restaurant avec tout ce que on a vu dans ta vidéo? Hein, L'artiste. Mes chers petites, soeurs, mes chers petits frères, vous qui êtes au Cameroun, ne défendez pas n'importe qui, ne tapez pas la main sur la poitrine pour n'importe qui. Vos vies sont primordiales pour vos familles. Votre avenir est primordial pour vos familles. Vous ne pouvez pas vous lever vous au Cameroun pour venir défendre un artiste qui est d'abord venu se protéger au Cameroun. Et il vous a laissé derrière dans la merde. Longue, Longue, j'aimerais te poser une question. Quand tu quittes le Cameroun pour venir te protéger en France, où on sait que tu vas bientôt demander l'asile, ou alors tu as déjà demandé l'asile, et tu sors cette vidéo, c'est pour que les Camerounais courageux qui sont au Cameroun se lèvent, par exemple, pour aller brûler, euh, incendier une mairie, incendier un poste de police pour toi. Et si demain quelque chose leur arrive là-bas, toi tu es en sécurité en France, tu trouves ça normal? Mes chers frères et sœurs camerounais, l'artiste Longuet Longuet, selon les dits de Paul Chuta, qui est du côté de l'artiste et ne peut pas venir raconter n'importe quoi plus qu'ils sont de connivence sur ce dossier. La chaîne de télévision Equinox. Voilà là où je vois votre mascarade et votre manipulation. La chaîne de télévision Equinox. A voulu interviewer Longuet Longuet compte tenu des accusations graves et de cette vidéo grave. L'artiste Longuet Longuet leur a demandé un cachet pour pouvoir parler de son problème qui est en train de secouer la toile. Dites-moi voir comment quelqu'un qui a été martyrisé, comment quelqu'un qui a la soif du changement, comment quelqu'un qui réclame justice, Lorsqu'on l'appelle pour rendre public son histoire, que son histoire ait de l'impact, la première des choses à laquelle il pense, c'est l'argent. Ça veut dire que si la chaîne de télévision Equinox avait accepté de lui donner son cachet, il n'aurait pas hésité de passer sur le plateau d'Equinox, empocher son argent. Mais entre-temps, les enfants qui sont au Cameroun... Les jeunes qui sont au Cameroun, qui auraient peut-être marché pour lui au Cameroun, on les aurait enfermés. Ils n'auraient rien gagné. Mais lui, il, se, il aurait gagné son cachet derrière cette vidéo. Vous venez défendre une personne qui tout pour elle. Ça ne tourne qu'autour du financier. Et vous voulez que les gens aient les mêmes émotions que vous. Je n'aurais pas vos émotions. Je ne vais pas pratiquer le suivisme moutonnier pour vous faire plaisir. J'ai mon cerveau, je vais l'utiliser. Il y a une blogueuse qui se trouve en Suisse, je vais taire son nom. Parce qu'elle aussi, elle aime bien ce trafic d'influence et imposer sa pensée aux autres. Si on ne fait pas comme elle, elle vous descend. Parce qu'elle pense que le Cameroun lui appartient. Une blogueuse a tenu à ce qu'il passe sur son live pour parler aux Camerounais. l'artiste a décliné l'invitation prétestant qu'il est très mal et qu'il doit se remettre de ses émotions, qu'il est traumatisé. Je, je dis ici, j'insiste ici, là, je suis en train de paraphraser les propos de cette blogueuse tout en espérant qu'elle n'ait pas menti parce que je ne pense pas qu'elle qu'elle soit capable de mentir puisqu'elle est du côté de l'artiste, de cet artiste-là en l'occurrence. Il a décliné l'invitation de cette blogueuse en soulignant qu'il est traumatisé, qu'on doit le laisser se remettre de ses émotions. J'ai suivi cette partie de la vidéo de cette dame et lorsque j'ai vu l'artiste Longuet-Longuet, qui a refusé d'aller sur un plateau camerounais s'exprimer, sur, chez une blogueuse camerounaise s'exprimer, une blogueuse qui quand même, voilà, elle est suivie, elle défend les faits de société à son niveau. C'est vrai que des fois elle est un peu très partielle parce qu'elle a ses intérêts aussi, mais toujours est-il que sur les faits, on ne peut pas lui enlever ses combats. Il ne va pas sur le plateau d'Equinox. Il ne va pas chez la blogueuse en question. Mais on voit l'artiste aller sur le plateau de TV5 Monde. L'artiste qui est traumatisé, qui a subi des atrocités. Vous savez pourquoi? Parce que je présume que le cachet de TV5 Monde est tellement colossal qu'il n'a pas hésité d'honorer à la demande de TV5 Monde. Donc si tout est une question d'argent pour vous, pour toi, à quoi nous sert de te défendre si tout dans ta vie ce n'est que ton argent À quoi sert aux Camerounais de venir crier, crier justice pour toi si tout tourne autour de l'argent À quoi nous sert d'accepter que tu sois le canal par lequel... Le changement quelconque peut s'opérer alors que toi-même, tu n'es pas une personne saine. L'artiste, ce sont tes amis d'hier qui sont tes ennemis d'aujourd'hui. Ce sont tes amis d'hier qui sont tes ennemis d'aujourd'hui. En quoi tes amis d'hier qui te trahissent aujourd'hui nous, on va venir mener tes combats parce qu'on veut le changement au Cameroun. Tu vas mener tes combats seul. Et je fais cette vidéo pour que mes abonnés à moi ne compatissent à aucune de tes douleurs parce que tu n'es pas une victime. Tu es le genre de personne pour. Tu es capable de vendre le Cameroun si on te dit que voilà ton ballot d'argent. Tu aimes trop l'argent. En plus d'aimer l'argent, tu es un ingrat. Tu es bipolaire. Tu vas là où les biais coulent à flot. Et le jour où on coupe le robinet des billets, tu te retournes contre les personnes. Ma main a brûlé. Que d'ici un an, deux ans, tu vas cracher le morceau de la manigance que tu as orchestré. Parce que je suis sûre et certaine. Qui a de la manigance dans l'air. Et tout tourne encore autour de tes intérêts financiers. Parce que avec ton histoire, tu demandes de l'argent partout. Après ton passage sur le plateau de TV5 Monde, je t'ai entendu dire aux Camerounais que ton avocat te demande la somme de 30 000 euros. Tu as pris les Camerounais pour des sots. C'est-à-dire que tu manges, tu prends chez le gouvernement la somme de 49 000 euros. Tu prends chez Samuel Eto la somme de 17 000 ou 18 000 euros, j'ai oublié. Et maintenant tu reviens en France, c'est nous qui allons gérer ton séjour en nous demandant 30 000 euros, prétestant que c'est pour gérer tes frais d'avocat. L'artiste, au Cameroun, ce n'est pas la France. Ici, en tant que réfugié politique que tu seras bientôt, si tu veux que la France défende tes intérêts, les Camerounais n'ont pas à contribuer pour toi parce que ici, tu auras un avocat commis d'office dont tu vas bénéficier de l'aide juridictionnelle. Donc, je ne sais pas pourquoi tu veux en entuber les Camerounais. Ce n'est pas le Cameroun ici. Et tu auras un très bon avocat, même s'il est commis d'office, parce que ton dossier, selon ce que tu nous montres, est crucial. C'est un dossier où, si tu gagnes, l'avocat, même commis d'office, sait qu'il va boire de l'eau dedans. Donc je ne vois pas pourquoi les Camonais vont contribuer pour te donner. On ne te donne rien du tout. Ceux qui vont vouloir te donner, ce sont ceux qui ont mis les émotions. Je ne mets pas les émotions. Je tiens à préciser que je suis contre toute forme de violence. Je dis contre toute forme de violence. Mais dans la mesure où la victime est totalement innocente. Mais si on me met des présumées victimes qui elles-mêmes ne sont pas saines. Mon cœur est dépourvu de compassion. Je ne compatis pas pour les gens qui sont fanatiques d'argent, parce que pour l'argent, ils peuvent même finir avec ma vie. Il faut qu'on apprenne à faire la nuance entre eux, être contre une violence accepter une violence dans sa légitime raison. D'accord Il ne faut pas qu'on oublie que les Africains ont leurs méthodes. Lorsque tu entres dans les prisons françaises, par exemple, tu es traité comme un roi. Lorsque tu es un enfant qui vient en France, quand tu fais des bêtises, on ne te fouette pas, parce que la loi condamne le fouet. Mais chez nous en Afrique, en occurrence le Cameroun, vous allez vous rendre compte que dans les maisons, les familles tapent leurs enfants. Vous allez vous rendre compte que dans les prisons, les prisonniers sont violentés. Ok Je ne connais aucun prisonnier qui est caressé par le sens du poil. Si tu t'attaques à tes amis d'hier et que vra vraiment... Ils décident de te fouetter. Ça ne m'atteint à rien. Parce que si ça n'avait pas mal tourné entre tes amis et toi, on ne t'aurait pas fouetté. Et je ne serais pas au courant que ce sont tes amis. Si aujourd'hui le peuple est au courant que ce sont tes amis, c'est parce que votre jeu a mal tourné. Les gens qui te font confiance ici-là en diaspora n'auront que leurs yeux pour pleurer. Bientôt. Parce que plus bipolaire que toi, cher frère, il n'y en a pas dans le domaine artistique. Les gens qui te font confiance aujourd'hui. J'aimerais m'adresser à certains opposants. C'est bien de faire de la récupération sur tous les domaines. Mais n'oubliez pas que ça va décrédibiliser vos combats nobles. Je vous le dis en toute sincérité. N'oubliez pas, parce que les Camerounais ont de la jugeote. Ce serait dommage que vous ayez les chances de gagner et que vous loupiez vos chances à cause de la récupération. On ne récupère pas tous les dossiers pour en faire une arme contre l'adversaire. Si vous prenez une personne lambda qui n'a pas les mains sales, qui a été torturé, et vous incitez le peuple à revendiquer justice. Vous aurez plus de points. Mais vous prenez un VIOL, qui a un parcours sale, qui dîne avec vos ennemis, qui est prêt à tout pour son argent. Vous espérez gagner les points avec, vous montez. Lorsque je vais finir ce live, n'hésitez pas à me faire du sale. Je ne mange pas chez vous, je ne vis pas chez vous qui que vous soyez. La différence entre l'artiste que vous défendez bec et ongle, parce que ça donne des points à vos combats politiques, c'est que moi je n'ai jamais mangé l'argent du gouvernement, ni de qui que ce soit. Mais cet artiste, son ventre est rempli de l'argent de vos ennemis. La différence, elle est là. Si vous rendez crédible des personnes facilement corruptibles, ça veut dire que vous n'êtes pas différent d'elles. Je ne peux pas rendre crédible des personnes facilement corruptibles. Parce que dès qu'on va leur proposer une enveloppe pour vendre mon pays, elles ne vont pas hésiter. On va se lever un matin, on va seulement se rendre compte que le Cameroun ne nous appartient plus. C'est liquidé. Cet artiste-là n'est pas une personne vraie. C'est une personne bipolaire, versatile. Et c'est une personne égocentrique et friante d'argent. Je vais m'adresser à l'artiste Fingontralala. Maintenant que j'ai terminé, ou du moins, je fais une petite pause. Les cœurs, mes étoiles, pour protéger le live. Fingontralala, La valeur d'un homme est dans sa capacité de rester campé dans ses prises de position. La valeur d'un homme se trouve dans sa capacité de camper sur ses prises de position, peu importe les représailles. À part si, bien sûr, il est en tort. Il ne faut jamais avoir honte de reconnaître ses torts. Mais si un homme donne sa parole, et qu'à cause des petits coups de fil, il décide de changer de bouche. Ce n'est pas un homme, c'est une femmelette. Fingontralala, tu es venu nous faire un live il y a quelques jours. Dans ce live, on peut lire dans tes yeux que tu penses ce que tu dis. On peut lire dans tes yeux que tu es sincère. Le live a fait le tour de la toile. Nous avons enregistré ton live. Si tu peux voir les coupures de ton live dans ma vidéo, ça veut dire que j'ai des gens qui ont enregistré ta vidéo. Sur ma page, autant pour moi. Ça veut dire que j'ai des gens qui ont enregistré ta vidéo. Dans ta vidéo, tu nous as laissé comprendre que Longa Longa avait reçu des sous et que tu tairais le, les noms des personnes en question. Après ton live, je ne sais pas qui t'a appelé pour te menacer. Peut-être qu'on t'a fait comprendre que tu ne pourras plus prester en Europe. Tu as vu ton gombo te filer des doigts. Tu reviens aujourd'hui avec une vidéo enfantine. Venez nous faire croire que c'est parce que tu as parlé avec les, les, les émotions et la colère que tu avais vis-à-vis -vis de Longen Tu crois que tu as affaire à un dossier de la maternelle. Je crois que vous avez l'habitude de banaliser les problèmes dans votre pays, si bien que même quand un dossier international, vous prenez toujours ça comme de la bouillabaisse. Si nous sommes dans un pays normal, à l'heure où je suis en train de te parler, tu dois être dans un poste de police en train de répondre des déclarations que tu as faites hier. Et on doit t'obliger à donner les noms que tu n'as pas mentionnés hier. Parce que ce dossier, il est politique et aujourd'hui, il est même international. Mais comme nous sommes dans un pays où vous tous, vous êtes des faussaires, excusez-moi de vous le dire, je suis camerounaise, je peux parler des miens, où la plupart, vous êtes des faussaires, des corrompus. C'est chacun qui fait ce qu'il veut, c'est chacun qui dit ce qu'il veut. C'est pour ça que tu te permets de venir jouer avec notre intelligence. C'est-à-dire que dans ce pays... Nous n'avons plus personne à qui faire confiance. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un pour sauver l'autre. C'est-à-dire que tu ne peux pas déclarer quelque chose et rester campé sur tes déclarations. Dès que vous entendez que vos intérêts financiers sont menacés, vous changez de bouche. Pauvre peuple camerounais, qu'avons-nous fait pour mériter des personnes comme vous donc vous ne pensez pas aux misères du peuple. Vous ne pensez pas aux souffrances du peuple. Vous ne pensez pas à la révolution. Vous ne voulez pas le changement. Non. Tout ce qui vous intéresse, c'est protéger votre petite personne. Aujourd'hui, tu fais croire que c'est parce que Tanya Condom m'a fait une vidéo, pardon, où il est venu te blanchir. Enfin, tu te sens libre. Eh hey, Monsieur le camerounais intelligent qui a suivi la vidéo de Tagne. Il te dira qu'il t'a même enfoncé plus que ça. Il ne t'a défendu aucunement. Parce que depuis des années que tu clames ton innocence sur le vol de la chaîne, tu fais comprendre au camerounais que Tagne et Condom peuvent venir confirmer. Mais dans l'explication de Tagne et Condom, il se dédouane de toi. Il dit qu'il n'était même plus là. Donc à quel moment tu viens faire ta vidéo parce qu'aujourd'hui tu te sens libre, parce qu'on a blanchi ton image Va bien écouter la vidéo. C'est le français qui est compliqué ou c'est ton cerveau qui est erroné. Il ne t'a dédouané de rien. Au contraire, les doutes vont encore plus peser sur toi. D'accord tu viens laver, tu viens demander pardon pour un artiste. Ou pendant ce temps où tu demandes pardon, tu prouves encore que c'est un malhonnête. Parce que tu dis ceci. Depuis des années, ce monsieur m'insulte. Je lui ai même donné de l'argent pour qu'il se taise. C'est ce que tu as dit. Pour qu'il ne parle plus de toi. Tu nous prouves encore que c'est un artiste. Mange mille, comme on dit au Cameroun. Jusque là, je ne comprends pas pourquoi quand il y a mon histoire, il vient toujours parler. Mes frères et sœurs, je lui ai même donné de l'argent pour qu'il ne parle plus de moi. Vous entendez avec quoi quand vous suivez une vidéo Vous êtes souvent en train de de faire l'amour quand vous écoutez une vidéo, ou vous êtes concentré pour lire les commentaires. Du coup, vous n'allez pas comprendre le sens et la profondeur des déclarations de quelqu'un parce que vous cherchez les, les commentaires. Tu nous as dit ça. Tu nous as également fait comprendre que tu as même lancé un événement pour lui où il a été payé. Jusque-là, il continue à parler de toi. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes tous pareils Achetez le silence des gens. Voilà le domaine dans lequel vous excellez. Tous Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Quand tu veux casser des œufs sur l'autre, tu te rends compte qu'il faut casser aussi sur l'autre. Vous êtes tous pareils. Tu reconnais que tu n'as pas volé une chaîne. Tu sais que tes mains sont blanches. Mais pourquoi tu veux acheter le silence de la personne qui t'accuse dans ta vérité Pourquoi tu côtoies la personne qui t'accuse pourquoi tu fais des événements où cette personne est accusée alors que ta conscience ne te reproche de rien? Un hein, fingon. Parce que le fait d'aller le voir pour faire la paix avec lui et lui donner de l'argent ce que tu utilises aujourd'hui dans tes vidéos. Tu te dis même j'ai fait tout ça parce que c'est toi qui le dis ce n'est pas moi qui le dis. J'ai fait des événements où il a été payé mais jusque là dès que mon problème arrive il m'insulte. Si tu n'avais pas volé sa chaîne, pourquoi continuer à parler avec lui-même s'il t'insulte? Tu ignores que la vérité prend l'escalier et le mensonge prend l'ascenseur? Que quand tu es dans ta vérité, tôt ou tard, on finira par savoir ce qui se passe? Qu'est-ce que Longa Longa peut dire qui va te rabaisser? Si au fond de toi, tu sais que tu n'es pas un voleur. Ce même artiste-là, il est allé dans un presté à Paris ou dans une réunion. Il y a eu un vol de téléphone. C'est lui qui est mieux. Fingon, l'argent est bien. Mais l'argent dignement gagné, c'est encore mieux. Quand tu as déjà dit ta vérité. Ne laisse pas qu'on te vole ta liberté de penser. Les gens n'ont pas à te dire où tu vas prester ou tu ne vas pas prester. Les Camerounais prestent partout. Si c'est à cause d'un coup de fil que tu as changé de bouche, je me demande en quoi ceux qui t'ont appelé sont différents des présumés tortionnaires de ce pays. Parce que torturer quelqu'un ce n'est pas toujours le brutaliser physiquement. Il y a la torture psychologique. Et je dis toujours ici qu'elle est encore plus dangereuse que la torture physique. Parce qu'elle te tue à petit feu. Elle est capable de te faire prendre les cachets et d'en finir avec ta vie. La torture a plusieurs formes. Je ne comprends pas pourquoi un père de famille comme toi... Tu fais un live où on sent que tu es vrai. Le lendemain, tu viens demander pardon. C'est quoi? Tu as eu peur de perdre tes abonnés? Merci Raïssa. Tu as eu peur de ne plus prester au Cameroun ou en France? On t'a promis quoi? Que si tu ne fasses pas ton live, tu ne pourras plus jamais entrer en Europe. On t'a dit quoi? Que tu es venu verser du sable dans la tchéquée des gens. Voilà dans le Cameroun qu'on veut changer. Le trafic d'influence dans tous les domaines. Je refuse ce Cameroun-là. S'il y a une chose pour laquelle je me bats bec et ongle dans ma vie, c'est ma liberté de penser. D'agir. Si on te prive de ta liberté de penser, mon étoile, tu es pire qu'un prisonnier qui a les ménottes sur la main. Tu es pire que lui. Parce que tu vas, tu vas décéder étouffé. Parce que tu as tellement à dire que tu prends sur toi. Et rien que ça peut te faire attraper un AVC, c'est terminé. L'accumulation de ce que tu veux dire, mais tu n'arrives pas. Tu as, tu fais un accident cérébral, pam, c'est terminé. Vous êtes tous pareils dans ce pays. Si on a mis 40 ans sans qu'il n'y ait le changement, c'est parce qu'on aimait tous la corruption. On aimait tous le faux. Un policier t'arrête en route. Tu n'as pas tous tes papiers. Tu sors un billet de dix mille. Tu lui donnes. Tu encourages la corruption. Il encourage la corruption. Tu frappes ta femme. Il y a des lois pour la protection des femmes. Elle va porter plainte. Si tu arrives à la police, tu donnes une enveloppe. Tu rentres comme si de rien n'était. Tu n'as pas de permis de conduire, mais tu as une voiture. Quand on t'arrête, tu donnes de l'argent, bim, tu pars librement. Et quelques mètres après, tu ripes la vie de quelqu'un. On arrive quand même à te dédouaner de tes responsabilités. Nous sommes tous responsables de ça. Ne pleurons pas. On aime ça, cette facilité-là. Tu entres dans un pays avec des marchandises illicites, parce que tu connais le douanier, ça passe comme une lettre à la poste, on est responsable de ça. Et tant que nos mentalités ne vont pas changer, on va pleurer toute la vie. Ne vous leurrez pas, hein? le président de la République ne peut plus rester, il est déjà trop âgé. Mais même avec le prochain, vous allez agir de la même façon. Je rigole souvent ici quand on me dit que oh, ⁇ Mais toi, Kriben, tu ne viens pas au Cameroun parce que tu as fait ci, parce que tu as fait cela. ⁇ Depuis 2010, je ne vais pas au Cameroun. Et le Cameroun ne me manque pas. Depuis 2010, je n'étais pas sur les réseaux. Vous m'avez connue en 2021, sur les réseaux sociaux. Depuis cette année-là, je n'allais plus au Cameroun. Vous savez ce qui me déçoit au Cameroun lors de mon dernier voyage au Cameroun, j'étais scandalisée. J'attendais sur une file d'attente. Il y avait d'autres personnes. Il y a une personne qui venait derrière et qui a dépassé tout le monde. Elle est partie voir un agent qui était là et j'ai juste vu le biais qui est passé. On l'a fait passer devant tout le monde. Ça m'a dégoûtée. Ça m'a dégoûté. Le lendemain, j'avais rendez-vous dans une agence de chez Air France. J'allais demander des renseignements. Pour me donner un simple renseignement, on m'a demandé l'argent de la bière. Je vis dans un pays aujourd'hui où j'arrive dans une mairie. J'ai besoin de quoi que ce soit. En deux temps, deux mouvements, on tape l'ordinateur, on tape mon nom, on me donne mon document, je suis chez moi. Je vis dans un pays où même si c'est avec le ministre que j'ai rendez-vous à dix heures. J'arrive à dix heures. S'il est trop en retard, c'est cinq minutes. Et même pour les cinq minutes là, il va me présenter ses excuses avant de me recevoir alors qu'il est ministre. Je vis dans un pays où lorsqu'on me prélève mes impôts à la fin de l'année, je suis contente de voir que quand je suis en voiture pendant les vacances, tous les quartiers sont en travaux parce qu'on est en train de rénover les routes où mes, rou mes pneus ne vont pas se percer tout le temps. Au moins, je suis fière de savoir pourquoi je paye mes impôts. Je suis dans un pays où trimestriellement, je paye l'URSSAF en tant que chef d'entreprise. Mais je sais que si je tombe malade un seul coup de fil un seul je vais entendre les sirènes tout de suite les urgences sont devant ma porte on m'amène on prend soin de ma santé on s'occupe de moi comme si j'étais un bébé quand je commence même à aller mieux on me fait manger au moins je sais pourquoi je paye mes impôts pourquoi je paye mes taxes à l'URSSAF mes charges je suis dans ce pays-là. Dites-moi aujourd'hui ce qui va me motiver de venir chez moi passer mes vacances. Où j'ai rendez-vous quelque part avec un médecin, on me laisse sécher au soleil alors que j'ai rendez-vous à 14h, on me reçoit à 18h. Et si j'essaye de parler fort, on annule mon rendez-vous. Dites-moi ce qui va me donner envie de venir là-bas. Ça ne me donne pas envie. Un pays où chacun a au moins trois numéros de personnes haut placées pour les défendre même quand ils ont tort. Pour masquer la vérité apparente. Un pays où tu es devant la police, même le policier te fait peur. Parce que tu ne sais pas si la personne qui t'a porté plainte, c'est son ami. Ou c'est son frère du village, ou c'est son collègue, ou c'est l'homme avec qui il ou elle sort. Donc là où tu es assise, tu ne sais pas si c'est ta vérité qui va l'emporter ou la corruption qui va gagner. Dites moi en quoi j'aurais envie encore de venir. Voilà tout ce qui me déçoit. J'aime mon pays, je l'aimerai toujours, mais je souhaite le changement dans ce pays. Parce que vous êtes tous faux. J'ai honte quand j'apprends que le gouvernement s'est sali les mains en demandant l'extradition d'un prisonnier pour qu'il aille faire sa prison dans son pays. Il arrive, il ne fait aucun tour en prison. Regardez l'image du Cameroun. C'est-à-dire que vous prenez sur vous. Un VIOL. Vous puisez dans les caisses du contribuable camerounais pour sauver un monsieur comme ça. À cause de lui, la France va apprendre que lorsque vous aviez demandé qu'il soit extradé au Cameroun pour faire sa prison au Cameroun, il n'a passé aucun jour en prison. Dites comment les Européens vont vous regarder. Dites comment un jour ils vont vous faire confiance. Faire des partenariats avec vous et se dire que vous êtes des personnes fiables. Parfois, on parle de la Côte d'Ivoire. Oh, les Ivoiriens évoluent, mais ce ne sont pas eux qui travaillent. Ce sont des investisseurs étrangers. Est-ce que vous savez que pour travailler avec des investisseurs étrangers, il faut un minimum de confiance? Pour que les étrangers viennent développer ton pays avec ton accord, il faut un minimum de confiance. S'il n'y a pas cette confiance-là, ils ne pourront pas venir. Combien d'étrangers ont voulu venir investir au Cameroun et à cause de certaines personnes fausses, elles ont décidé de décliner l'offre. On en connaît comme ça. Des Camerounais, même de la diaspora, ceux-là qui sont partis du pays, ils sont venus voir ailleurs et ont compris la vie. Ils ont vu autrement, les choses autrement. Et ils ont voulu ramener ce système positif chez eux. Tu vois, un Camerounais qui a travaillé pendant 20 ans à l'étranger, il dit Hey, le pays de quelqu'un, c'est son pays. Tout l'argent que j'ai amassé ici. Je m'en vais construire mon pays. Il arrive pour développer son pays avec la sueur de son front. Ce sont ses propres frères en deux temps de mouvement qui le font tomber. Déjà à l'aéroport, déjà au niveau de la douane, on a déjà fini avec lui. Il va même acheter un terrain pour poser son entreprise. Ils ont fini avec. On lui dit que non, il y a double vente. Il est même dans sa raison que c'est lui qui a le titre foncier, le permis de bâtir. On arrive à lui dire que non. Et vous me dites à moi que le Cameroun me manque. L'air du pays peut me manquer. La nourriture du pays peut me manquer. Mais votre système ne va jamais me manquer. Parce que votre système est néfaste. On ne sait pas qui est fiable. On ne sait pas. La France n'est pas parfaite. Mais sur une échelle de 100, on lui donne 90%. Sur une échelle de 100, on vous donne 10%. Ça craint. Ça craint. Votre système doit changer. Demain, on va apprendre sur les plateaux de télé que le gouvernement a demandé à ce que l'artiste soit extradé pour aller. Puger sa peine au Cameroun, il n'a pugé aucune peine. Et quand on va s'adresser à votre président, vous allez pleurer. Quand on va s'adresser à votre gouvernement, vous allez pleurer. Patate du même sillon. C'est notre. On cherche où vous défendre, on ne le trouve pas. Comment le gouvernement peut accepter se salir les mains avec une histoire aussi sale? C'est-à-dire un individu qui ne sert à rien, qui ne peut rien vous apporter, versatile comme pas possible. Vous acceptez, vous saliez les mains avec, vous pouviez encore vous salir les mains avec quelqu'un qui peut développer le pays, quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui peut construire le pays. Ngé, il est artiste. Oui, tu es artiste. Mais c'est parce que tu es artiste que tu as l'humilité. On ne donne pas l'immunité à n'importe qui. On protège quelqu'un qui le mérite. Quelqu'un qui est dans le vrai. Dans la vérité. Mes étoiles, je ne suis pas parfaite. Mais je ne vous mens pas que sur une échelle de sang, je fais l'effort que tout ce que je gagne vienne de mon cerveau. Je fais cet effort. Je fais l'effort que quand je dis quelque chose, même si demain on vient dire quoi, qu'il y ait au moins 99% de ce que je dis qui soit vrai. Parce qu'il en va de mon honneur. Les gens ont besoin de ça. Nous avons des enfants. Même si quelqu'un vient dire tu mens, mais je fais l'effort. Et c'est pour ça que le système français et moi, ça colle. Mes étoiles, quand je suis arrivée dans ce pays, les cœurs, mes étoiles pour protéger le live. Je suis allée acheter un téléphone portable dans un bureau de tabac. Je n'oublierai jamais cette histoire. C'était, je ne sais pas si c'était le Nokia ou bien l'Ericsson. Je ne connais plus la marque du téléphone. Le téléphone était indiqué 49,99, un truc comme ça. Et il était passé en promotion. Et moi, dans ma tête, je ne savais pas, je ne connaissais pas encore les promotions. Donc, je n'ai pas fait attention. Et même si je faisais attention, je n'allais pas trop comprendre. Je venais d'arriver. Je prends 50 euros. Je donne à la dame du bureau de tabac, la vendeuse. Et dans ma tête, elle va peut-être me rembourser 1 euro. Je ne sais plus, je crois que c'était 50 euros. Je lui donne 50 euros. Elle emballe le téléphone. Elle-même. Elle ne se rend pas encore compte que le téléphone est en promo. Je prends le téléphone je sors du bureau de tabac. Après j'entends Madame, madame, je fais une tête bizarre. Elle me dit venez s'il vous plaît. Je dis ouais. Elle me dit en fait, euh, le téléphone que vous avez pris, il est en promo. Donc je crois qu'il avait peut-être qu coûtait 20 euros, un truc comme ça. Et elle me rembourse 30 euros, 20 euros et poussière. J'étais choquée. Je suis partie jusqu'aujourd'hui, j'ai cette image. Ça m'a tellement, c'est-à-dire ça m'a marqué. Et j'ai dit, waouh. Parce que je me suis dit, si le téléphone est en promo, je ne suis pas au courant. Elle peut faire semblant même de sortir du magasin, peut-être s'il y a les caméras, elle prend les 30 euros et met dans sa poche. Non. La dame m'a rendu mon argent. Mes étoiles, j'ai commencé à voir ce pays d'une façon différente. Quelqu'un va dire oui. Tu veux dire que tout en France est bien. Il y a des, des voleurs en France. Il y a des corrompus en France. Mais le taux, le taux de voleurs, le taux de corrompus. Si tu vas dans dix bureaux, une demi-personne va t'escroquer. Neuf personnes et demi. Vont te servir dans ta raison. J'ai dit, si tu vas dans dix bureaux, une demi-personne va t'escroquer. Neuf personnes et demi vont te donner ce que tu es venu chercher. Si tu vas dans des instituts de beauté ici, tu vas dans trente instituts de beauté, tu déposes ton sac à main avec tes téléphones, derniers cri, l'argent dedans. Deux instituts vont fouiller ton sac pour voler. 28 instituts, personne ne va toucher. Si tu oublies, merci mon étoile, oublie ton téléphone. Dans 30 instituts, 29 instituts vont t'appeler pour te dire que ton téléphone est resté là-bas. Une seule personne va te dire qu'il n'y a pas ton téléphone. Une seule personne. Quand tu vis dans un système comme celui-là, tu es obligé de marcher au pas. Et pourquoi ce système est comme ça Parce que c'est la base. Chez nous au Cameroun, on dit on ne redresse pas un fer qui s'est refroidi, refroidi. On redresse un fer chaud. C'est une parabole. C'est pour dire que on n'inclut pas des bonnes valeurs à un enfant. Quand il a déjà l'âge de la rébellion. On lui inculque des bonnes valeurs dès sa naissance. Vous allez constater lorsque vous marchez dans les rues en France, rares sont les rues qui sont sales. Rares sont les rues où vous ne trouvez pas de poubelle ou jetez vos peaux de bananes ou bien jetez votre papier de, le, de, 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 de sopalin, de l'essuie-tout. Rares. Ce qui fait que même un enfant de 3 ans il sait que quand il a utilisé son papier, il doit mettre dans la poubelle. Dernièrement, mon fils qui a six ans. Je suis allée jeter les papiers parce que j'ai les papiers, les, 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 formes, euh, les papiers de dessin qu'ils utilisent. Ils font tellement de dessins que je ne peux pas garder tous les dessins. Je garde ceux qui sont bien et ceux qui sont pas intéressants. Au lieu que ça me sature la maison, je jette. Je suis allée jeter les, les feuilles de dessin. Dans le bac, qui ne prend pas les feuilles. C'est mon enfant qui me dit, maman, là où tu es parti jeter la poubelle, là, c'est pour les, 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 bouteilles en plastique. Il s'appelle Lucas. Six ans. La honte. J'ai ramassé mon plastique, là, avec les feuilles de dessin, là. J'ai dit, tu as raison, loulou. C'est plutôt dans la poubelle, si. Parce que moi-même, parfois, je ne sais pas faire les différences entre les poubelles de tri. J'oublie. Et ce sont eux qui me rappellent les poubelles, que la poubelle jaune, si c'est elle, la bleue, c'est celle-ci, noire, c'est elle. Ils ont six ans. Ça veut dire que quand ils vont grandir, ils sont déjà dans l'écologie. Quand ils vont grandir, sous ce su, ils ne vont pas jeter les choses partout. Ils seront cadrés. Si c'est à l'âge de 30 ans que tu veux essayer de changer leur mentalité, ce sera compliqué parce que chasser le naturel revient au galop. Vos mentalités. Nos mentalités, merci beaucoup mes étoiles, merci beaucoup, doivent changer. Vos mentalités, ma mentalité, elles doivent changer. Nous voulons un bon pays. Nous voulons que notre pays aille de l'avant. Que chacun prenne sa main. Ses mains, il met dans la pâte. La pâte du changement. Changement ne va pas s'opérer sans les mains des Camerounais à la patte. Dès que tu fais quelque chose à quelqu'un, tu sais qui je suis. Dès que tu dis que ce que quelqu'un ne veut pas entendre, on va finir avec toi. Viens parler dans ce pays. Dès que tu vas à l'encontre de ce que la masse pense, on t'insulte. comme si l'insulte pouvait ôter la vie de quelqu'un. Tu parles aux politiciens. Tu parles au euh, parti au pouvoir actuel, les mêmes réactions. Viens ici au Cameroun, tu vas lire. Là. Tu vas chercher les opposants maintenant. Tu vois si au moins ils sont différents, critique seulement un petit truc qui ne va pas en leur faveur, les mêmes réactions les mêmes réactions, patates du même sillon. Parce que le problème du Camerounais n'est pas seulement son gouvernement, mais ses mentalités. Le Camerounais justifie l'acte d'un voleur. Le Camerounais justifie l'acte d'un VIOL. Le Camerounais justifie qu'on violente un bandit parce que c'est son ami. Mais ailleurs, si ce n'est pas son ami, il dit qu'on doit condamner ce bandit. Le Camerounais est prêt à payer des sommes faramineuses pour qu'on libère son frère qui a même ripé la vie de quelqu'un. Mais il est prêt à condamner pour zéro franc une personne qui n'a pas fait le cas parce qu'ils ne sont pas parentés. Changeons. Sur les réseaux sociaux, je reste campée sur ma position. Je ne suis plus à la quête de la masse de vues. Je suis à la quête de la qualité. Je ne suis plus au niveau où on coupe ma vidéo. Parce que j'ai dit ce qui n'arrangeait pas, pas quelqu'un. Il coupe ma vidéo et m'assure que ça, ça, ça m'embête. Surtout dans des sujets sensibles comme ceci. Je suis au niveau où je dois édifier les jeunes qui me suivent. Allez manipuler mes déclarations. J'en ai rien à foutre. Le temps nous dira que ce sont des personnes comme nous, avec des idées potables, qui avaient raison. Je rêve d'un Cameroun où nous sommes désormais dans la vérité. Parce que tous, autant que nous sommes, nous avons déjà au moins un jour fait quelque chose de passant pour nos frères dans notre pays. Mais nous qui avons voyagé, ceux qui sont au Cameroun, qui ne sont pas allés voir ailleurs, ils peuvent se permettre certaines erreurs, mais vous et moi, qui avions eu la chance de voyager, lorsqu'on pose encore certaines actions, ça donne envie de vomir parce qu'on a l'impression que c'est notre physique qui est là, mais nos cerveaux sont ailleurs. C'est-à-dire que l'étoile cribienne est en France physiquement, on sait, mais c'est cerveau réfléchi comme celui qui est au Cameroun. Lorsque tu voyages, tu pars avec ton corps et ton cerveau. Alors pourquoi arriver en France laisser ton cerveau réfléchir comme au pays C'est-à-dire que tu as laissé ton cerveau avec les les pensées, les idées, les les les, les actions d'avant avant. avant. C'est pas bon. Quand tu arrives dans un pays, on ne te demande pas de te dénaturaliser. Ne te dénature pas. Mais on te demande d'imprégner les bonnes valeurs. Tu fais la fusion des bonnes valeurs de ton pays et des valeurs, des bonnes valeurs du pays dans lequel tu te trouves. Les mauvaises valeurs de ce pays, tu jettes à la poubelle. Et les mauvaises valeurs de ton pays, tu jettes à la poubelle. Si on ne prend que les bonnes valeurs de la France ou de l'Europe, on rajoute aux bonnes valeurs du Cameroun. Je vous promets qu'on va construire un pays. Cameroun digne de ce nom. Les gens vont nous envier positivement. Les gens vont parler de nous positivement parce qu'enfin on hisse les couleurs de ce pays avec des bonnes actions. Si on va toujours entendre parler de nous dans tout ce qui est sale, c'est triste, c'est honteux. Courte publicité mes étoiles, j'ai assez parlé. Pour avoir une belle peau lumineuse, uniforme, sans taches. Utilisez les produits Crébiclair disponibles sur le site Crébiclair épinglé en titre de ce direct. Nous livrons nos produits partout. Si vous êtes au Canada, en Belgique ou à Paris, n'hésitez pas de passer vos commandes chez les représentantes. Leur numéro de téléphone est sur ma grande photo de page. Vous avez le numéro de la représentante de Paris. Du Canada et de la Belgique. Si vous avez les quintaux sur les doigts, les irrégularités de teint, les taches laissées par l'acné, n'hésitez pas d'utiliser nos produits. Ils ne blanchissent pas, ils ne décapent pas. Par contre, ils éclaircissent de façon naturelle. Voilà. Vous pouvez voir sur moi, vous regardez mes vidéos d'avant, vous allez voir que je ne suis pas blanche, mais j'ai un teint propre. Le teint, ça s'entretient. Le teint, ça se nourrit. Le teint, ça se nettoie. Pas parce qu'il est sale, mais c'est pour l'embellir, le rendre plus joli. Tu peux avoir un beau teint, mais il n'est pas lumineux, il n'est pas éclatant. Voilà. Donc, nos produits faits à base d'intrants naturels et organiques sont là pour répondre aux demandes de votre épiderme. Voilà. Donc, n'hésitez pas de passer vos commandes. Nous avons la gamme Cribiclair, la gamme 21 Je Éclat Plus et la gamme Royal Brillance. Moi, actuellement, j'utilise la gamme Royal Brillance. Voilà. Que j'associe avec une gamme que vous allez euh, euh, découvrir. J'associe avec son sérum, pas le lait parce que je, je ne veux pas euh, être plus clair ou, euh, ou machin. Donc voilà, voilà ce que j'avais à dire. Et euh, les, les, les Camerounais qui me disent euh, l'étoile cribienne, tu es la main de la dictature l'étoile cribienne, tu es une manipulatrice. Euh, je, je, sais, je connais ces Camerounais-là. Je sais de qui il s'agit. D'accord euh, la plupart des camerounais qui me disent que je suis la main de la dictature ce sont des opposants je passe pas de midi à quatorze heures ou du moins certains opposants parce que dieu merci tout le monde n'a pas le cerveau éteint certains opposants ce sont eux qui me le disent et je vous dis encore ici si vous pensiez comme moi si on était nombreux à penser comme moi notre pays irait bien depuis belle lurette mais malheureusement nous ne sommes pas nombreux je suis le genre de personne, on ne m'achète pas. Je ne suis pas une personne qui a des partis pris. Quand c'est le gouvernement, je leur dis ce que je pense. Quand c'est le peuple, je lui dis ce que je pense. Quand ce sont les opposants, je leur dis ce que je pense. C'est comme ça que je suis. Et je déteste, c'est-à-dire que j'ai horreur de la récupération. J'ai horreur de la manipulation. J'ai horreur de tout ça. En fait, je suis vraiment allergique à ça. Parce que je n'aime pas qu'on me vole ma liberté de penser. Donc, je sais que la manipulation, c'est une façon un peu d'entuber ma liberté de penser. La récupération, pareil. Donc, quand vous me dites ça, j'en ai rien à foutre. Vous, vous avez vos intérêts. Moi, tout ce que je cherche, c'est le changement dans mon pays. Et je vous dis encore, je m'en fous d'où il viendra le changement. Tant que le candidat qui se présentera aux élections présidentielles de l'année 2025 a un bon programme politique et mène des actions concrètes sur le terrain, des belles actions concrètes sur le terrain, je vote pour lui. Je vous le dis en toute sincérité. Mais ce qui est certain, c'est que si je devais voter en 2025, je ne pourrais jamais, je le dis, voter pour le président de la République. Parce qu'il faut, je ne pourrais pas voter pour le président de la République. Pourquoi Parce qu'il faut détester son pays pour voter pour un président qui a plus de 90 ans. Voilà. Il faut détester son pays pour voter pour un président qui a eu 40 ans de règne. Qui avait la possibilité de faire changer les choses. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites. Il a fait à son niveau, mais aujourd'hui, il est temps qu'il tire sa révérence et qu'il donne la chance à un Camerounais qui peut également nous amener. Ou lui, ou il, ou lui autant pour moi, il n'a pas pu nous amener. Nul n'a le monopole du savoir. On a vu les limites de son savoir, de sa connaissance, de sa force. On a vu ses limites aujourd'hui. Donc, moi, l'étoile cribienne, je ne pourrais jamais demander à mes abonnés de voter encore pour le président Bia Paul. Parce qu'à un certain âge, on va se reposer. S'il y a l'âge de la retraite, c'est parce que celui qui a mis l'âge de la retraite a réfléchi qu'à un certain âge, l'être humain n'a plus toutes ses facultés mentales. C'est scientifiquement prouvé, c'est humainement prouvé. Le président de la République, quoi que vous direz, que vous pensiez que je suis de la main de la dictature, j'en ai rien à foutre. Moi, l'étoile criminelle, je dis à mes abonnés, ce serait une bêtise de voter encore pour le président de la République. Il l'a fait son temps. Vous voyez bien qu'il est fatigué. Nous l'avons vu au sommet France-Afrique. Si je m'en souviens, c'était le sommet France-Afrique, je crois. Et nous avons vu un président fatigué. Je ne vais pas l'insulter parce que les insultes sont des raccourcis que les personnes à manque d'arguments utilisent. J'ai des arguments pour vous dire que vous n'avez plus à voter pour le président de la République. Parce que il est âgé, il est fatigué, ce serait une honte pour nous d'avoir un président de quatre vingt treize ans encore qui ira représenter les camerounais dans un séminaire dans un sommet peu importe où on sera encore obligé de répéter répéter parce qu'il est fatigué et il n'entend plus tout ce que je vous demande mes abonnés à moi c'est de ne pas rentrer dans la barbarie parce que vous avez vos enfants. Vous avez vos familles. Il y a beaucoup de politiciens qui sont protégés. Même cet artiste Longuet -Longue, il a sa famille en sécurité en France, il a lui-même en sécurité en France. Ne rentrez pas dans la barbarie pour vos familles. Laissez ceux qui ont le pouvoir de mener des batailles plus rudes que celles que vous ne pouvez mener, mener ces batailles. C'est là où intervient chacun son rôle, même dans la société. Il y a des médecins, il y a des enseignants, il y a des vendeurs, et vous allez vous rendre compte que même si souvent ils ont une voix unanime, au moment d'agir, chacun son domaine. Vous pouvez dénoncer, vous pouvez soumettre, soumettre des doléances, mais n'allez pas jouer avec vos vies, vous n'avez pas les moyens. Pensez à vos familles, d'accord Dénoncez quand ça ne va pas revendiquer quand ça ne va pas dans le respect de la constitution de votre pays. C'est le message que moi l'étoile crébienne votre sœur, votre grande sœur, avait à vous donner. N'oubliez jamais ce message, parce que moi je n'ai pas de camp. Si j'avais un camp, je vous orienterais autrement. Mais l'avantage que vous avez de m'écouter et de prendre en considération certaines de mes consignes c'est que ça va vous avantager vous. Ce sera pour vous. Certains avantagent leur camp. Moi, je vous avantage. Vaut mieux un héros vivant qu'un héros dans la tombe. Martinez Zogon est décédé. On ne parle plus de lui. Pourtant, il a fait beaucoup de verbiage sur les plateaux de télé, de, de radio. Aujourd'hui, sa famille, c'est elle la perdante. Au moment venu, lorsqu'il faudra mener des actions fortes, les personnes compétentes seront là. Menez des actions qui sont à votre niveau. Accrochez votre sac où vous pourrez décrocher. Mais je vous dis, mes chers abonnés, ne votez plus en 2025 pour le président de la République. Il est déjà âgé. Il doit se reposer. D'accord si vous faites l'erreur de voter pour lui, vous êtes bête. Vous ne vous aimez pas et vous ne pouvez pas aimer le président de la République plus que vous et vos familles. Le président de la République aimera toujours ses enfants avant vous. La preuve. Vous êtes dans la misère, il vous manque certaines choses, mais est-ce que vous avez déjà vu Brenda Biamondi Elle dort dans les plus grands hôtels, elle porte les vêtements les plus chers parce que son père est président. C'est-à-dire que la charité bien ordonnée commencera toujours par soi même. Donc appliquez cette règle pour vous. Protégez vous d'abord et vous ne pouvez pas assurer votre avenir avec un homme de cet âge là. Il est déjà fatigué. Commencez à vous intéresser aux candidats qui vous montrent qu'ils sont prêts. Commencez. Laissez le tribalisme derrière vous. Laissez l'amitié derrière vous, pensez à votre avenir. Peu importe qui sera là, qu'il ait juste les compétences d'amener notre pays vers l'émergence. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous, mes étoiles. J'étais très sérieuse dans ce live. Ce n'était pas un live pour rigoler, parce que là on parle du pays. C'est notre pays à nous tous. Quoi qu'on aura à lui reprocher, nos cordons sont là-bas, enterrés. Nos ancêtres, leurs âmes sont là-bas. Enterré. Nos familles sont là bas. C'est notre pays. Pourri, bon, tout ce qu'on veut, il reste notre pays et on doit se battre pour lui. D'accord? Euh, Ignace Onana, je n'ai pas à te dire pour qui tu dois voter. Si je te demande d'aller voter pour un candidat, ça veut dire que je suis en train de te manipuler. D'accord? C'est toi qui dois utiliser ton cerveau pour choisir le candidat qui mérite être à étudier demain. D'accord? OK? Donc venir me dire que je tourne en rond, déjà, déjà c'est un manque de respect. Et ça prouve que tu as déjà un bord politique, mais tu veux manipuler mes déclarations, ce que je suis en train de dire. Tu as déjà un bord politique, donc ne fais pas le cinéma avec moi. D'accord? Parce que de tout ce que je dis là, si tu as trouvé que je tourne en rond, ça veut dire que je suis en train de parler inutilement. Je prêche dans le désert. Tu n'es pas là pour, pour vouloir enregistrer quoi que ce soit. Tu es là pour attendre que je dise une bêtise qui va te servir à me frapper par commentaire ou alors à me manquer de respect sur les panels. Donc si ce que je dis n'est pas intéressant, tu vas voir ailleurs. Je t'ai pas appelé ici. J'ai été assez clair. J'ai dit de ne pas pratiquer le suivisme moutonnier. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas à mon cerveau que tu dois utiliser pour choisir ton candidat. Va, apprends à lire. Un, chaque candidat aux élections présidentielles a un programme politique. Ce n'est pas à moi de mettre ce programme politique dans ton cerveau. Ce n'est pas à moi de t'apprendre les réalités de ton pays. En tant que Camerounais, tu es censé les connaître. Tu dois apprendre à lire. Tu télécharges le programme politique de chaque candidat et tu verras celui qui te convainc le plus. En plus d'avoir téléchargé leur programme politique, d'avoir pris le temps de lire leur programme politique, de voir ce qu'ils prévoient pour ton avenir, pour ton pays, tu fais l'effort de suivre leur campagne politique. C'est comme ça que ça se passe. Même ici en Europe, tu suis. Marine Le Pen, il y a cinq ans ou plus, tous les Français presque voulaient voter pour elle. Ils ont lu son programme politique. Elle a battu les campagnes où chacun était pour elle. Elle a même mené des actions sur le terrain, des bonnes actions, mais sauf que, face à Emmanuel Macron, lors du duel, elle est allée dans tous les sens et, à la fin, elle a perdu. Et Emmanuel Macron est passé. Donc tu vois que déjà, là, si quelqu'un avait dit aux Français de voter pour Marine Le Pen, et qu'ils allaient seulement voter, ils allaient regretter. Donc ils ont utilisé leur cerveau, leur intelligence, ils sont restés à la, devant la télé, pour voir si elle méritait passer ou pas parce que les français ne votent pas en fonction de l'affinité en fonction du village en fonction de l'amitié non les français votent en fonction du programme de ton programme et de ce que tu proposes réellement quand tu es face à face tu vois un peu c'est pas à moi de te dire qui tu dois voter si demain tu votes quelqu'un et que ce n'était pas bon si tu peux m'attraper dans la rue tu finis avec moi non si un vote, même lorsqu'on va voter, tu vas remarquer que chacun met le nom en cachette. On ne dévoile jamais le vote de quelqu'un. Ce n'est pas anodin. Seules les personnes qui sont dans un parti politique annoncent la couleur, annoncent le choix de leur candidat, parce que c'est purement stratégique. Je t'ai fait comprendre de prime abord que je ne suis pas dans un bord politique. D'accord? Je suis pour le peuple. Je n'ai pas un bord politique. Si j'avais un bord politique, je te dirais, je battrais campagne pour mon futur candidat et je t'inciterais à le choisir obligatoirement. Voilà. Après, je pourrais ici, lorsque je vois un programme politique, comme par exemple le programme politique du professeur Moïse Camto, que j'ai beaucoup aimé. Ah oui, en toute honnêteté, je pourrais souvent te dire que ce programme me plaît. À toi d'aller voir de lire ce programme, prends le temps de lire. Quand tu lis, ça te permet de t'instruire, ça t'informe. Ce n'est pas à moi de te dire j'ai lui, il m'a convaincu, va, va, vote pour lui. Non. Tu dois te faire ton idéologie toi-même. Choisir toi-même. Voilà. Merci mes étoiles d'amour. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour regarder ce live. J'espère de tout cœur que j'aurai le temps de poursuivre mon grand live sur TikTok. Donc, euh, si on est connecté sur TikTok, ce sera à partir de euh, 18h30 ou 19h. Ce sera vraiment un live, c'est pas un live politique. Voilà, la décision. Merci Stéphanie en Dieu. Euh, la décision est personnelle et gardez votre choix personnel le moment venu. Allons voter. Bravo, bravo. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ils veulent toujours changer les dons là où il ne faut pas changer les dons. Voilà. Même dans les urnes, vous ne savez pas qui a dit quoi. Ce n'est pas chez l'étoile crébienne que vous allez prendre dans sa bouche. Voilà. Bon. Bisous à vous mes étoiles.